Bon, bah écoutez, je pense qu'on a fait un bon tour de la ville. C'était pas la perfection, mais on a vu les gens, on leur a parlé. On sait qu'il y a le pont qui est cassé. Il y a eu des voleurs, on les a arrêtés parce qu'on est bon comme ça, vous savez, c'était totalement prévu. On a aidé un gamin qui s'appelle Ivan, qui s'est barré ensuite, pour aller essayer de sauver son maître, Ahmet, d'un groupe de voleurs organisés qui apparemment est super dangereux et qui vaut mieux éviter au maximum. Donc, étrangement, je m'attends à ce qu'il échoue lamentablement. Je sais pas, l'instinct, l'intuition, le fait qu'il n'y a aucune chance qu'il puisse réussir seul, mais qu'est-ce que vous en savez, n'est-ce pas? Mais cependant déjà, bonjour tout le monde, ici G2 et je vous retrouve pour un nouvel épisode de Golden Sun. La dernière fois, nous avons fait tout ce que j'ai dit et plus encore, et cette fois-ci, je pense qu'on va juste se casser. Il faudrait que je me force à parler un petit peu plus à ces gens, mais j'ai une relation compliquée en fait avec les personnages non jouables de ce genre de RPG. En fait, vous savez quoi, j'ai une histoire à raconter. Une longue histoire, qui est adaptée vu le jeu dont je parlais déjà. Bon, bien sûr, nous... je pouvais afficher la carte, je crois. Oui. Cette carte est nulle. Elle est belle, techniquement, mais les couleurs font un peu mal aux yeux. Mais je trouve que c'est l'une des pires cartes que j'ai pu voir, parce que ça vous montre la position des endroits, genre on a Volt, on a Val. Mais... comment vous repérez quoi que ce soit avec ça? C'est tellement gigantesque. Parce que je crois pas que vous puissiez zoomer ni quoi que ce soit, donc... moi, je sais qu'il faut qu'on aille au nord. Et donc, je vais raconter une histoire parce qu'on va pas avoir grand-chose à faire. Et je marche pour essayer de ne pas activer des rencontres aléatoires. Enfin, pas trop. Mais ouais. Donc, normalement, les personnages... ah, bah voilà, Viblam! Donc là, j'ai fait deux coups, ce qui a fait 37 de dégâts. Donc, techniquement, c'est quasiment le double de mon attaque normale, mais il faut aussi noter qu'il y a les triples points d'exclamation. Il suffit que ce truc est faible à Jupiter, donc ça triche. S'il n'avait pas été faible, j'aurais fait... probablement dans les 30, quelque chose. Et par conséquent, ben, le cri qui là était le double coup, aurait pas été aussi extraordinaire. Et si j'avais fait qu'un seul coup, j'aurais pas en fait 15 de dégâts. Donc bon, c'est un jeu court. Et ouais. Mais ouais, parce que les personnages dans non-joueurs dans les jeux, normalement, sont là pour peupler un petit peu. Vlad, s'il te plaît. Pour peupler l'univers, donner l'impression qu'il y a des choses à faire, nous avons tenu une goutte d'huile qui est plus ou moins une synergie de feu. Je sais plus quel équivalent c'est en termes de... ok, la partie détail sert à rien. Mais ouais. C'est plus ou moins une... balance une synergie de feu plus ou moins costaud. Oh, un bouton. Bon bah je peux plus passer. Ouais, on peut rien faire ici. Mais bon. Normalement, les PNJ sont là pour peupler l'univers, mais ils ont rarement beaucoup d'importance. Ils vous balancent souvent des lignes génériques. Comme par exemple... bienvenue dans la ville, machin. Ou... il fait beau aujourd'hui. Ou... j'ai mangé une pomme hier. Ou bien ils vont vous parler de trucs du genre... oh, il y a des voleurs. Mais ils vont tous parler des voleurs. Qu'avez-vous? Vous voulez entrer dans l'Umpa? Yeah. Vous pouvez pas, repartez par où vous êtes venu. Oh non. Vous êtes venu ici pour rien, ça n'a pas de sens. Ce n'est pas un endroit pour des gens comme vous. Rentrez chez vous. Vous n'êtes pas de Calais? Non. Si. Vous n'êtes pas là pour sauver Ahmet? Non. Si. Nous allons renvoyer Ahmet à Calais très bientôt. Soyez patient. C'est ce que Donopa nous a demandé de dire. Vous n'êtes pas de Calais? Non. Si. Vous êtes là pour sauver Ahmet? Non. Non. Oh, allez, personne ne viendra à l'Umpa, à moins que ce soit pour sauver Ahmet. Vous n'avez pas envie de me voir en colère, vraiment pas. Vous n'êtes pas de Calais, non? Non. L'un des groupes nous a dit la même chose, mais on ne nous a pas laissé entrer non plus. Partez si vous tenez à votre vie. Ok, on va rien faire plus en gros. Mais donc voilà, mais à un moment, j'ai découvert une série... RPG. Où le... où justement, pour peupler leur univers de personnages qui sont pas simplement des zombies, répétant toujours la même phrase... ils ont mis en place un système où chaque personnage a... enfin, presque 90% des personnages ont un nom et une petite histoire qui leur est associée. Et à chaque fois que vous passez un certain point dans le scénario,
ce qui est en général ce qu'on appelle des story beats. Comprendre, ben, on vous dit, tiens, va ici pour parler à telle personne ou va faire telle petite mission, qu'est-ce que j'en sais. Il leur donne du nouveau texte. Donc ça fait que très rapidement, on a... Bien que je me fais casser la tronche, là. Très rapidement, on a des personnages avec beaucoup de textes, beaucoup de choses à dire, et qui... Et qui sont plutôt complexes. Mais ça prend du temps de toujours tous leur reparler 15 fois. Donc ça fait que de manière générale, j'essaye désormais de parler aux gens. Mais je perds vite l'intérêt quand je m'aperçois que oui, mais c'est un JRPG classique où je me contente juste de savoir qu'ils vont répéter les mêmes lignes en boucle. Donc voilà. Aussi, donc il a été apporté en attention que les gains de niveau dans le jeu sont aléatoires. Oh, bah dis donc, t'aimes activer ça deux fois. Normalement, je sais pas quelles sont les probabilités que ce soit une ou deux fois. J'ose imaginer que c'est plus probable que ce soit deux qu'une. Mais... Je veux pas dire que je connaisse les probabilités. Y a pas tant d'informations que ça sur ce jeu, mais ouais. Donc oui, les gains de niveau sont aléatoires, et vous pouvez essayer de faire en sorte qu'ils soient aussi bons que possible, mais c'est un peu difficile. Donc ouais. Passons, nous sommes ici désormais, non, j'ai pas fait attention à comment s'appelait cet endroit, et on s'en fiche, on va juste pousser ce pilier. Et profiter de cette excellente musique. Ah, ce compositeur, c'est pas bon. Ah, bref, on va juste se contenter d'avancer et pousser ce truc. J'ai dit, pousser ce truc. C'est de l'arnaque, ça marche pas. C'est inutile, notre synergie n'est pas suffisamment puissante pour déplacer cette souche. Tu veux déplacer cette souche, pas vrai? Non, ça faisait longtemps. On dirait que le lierre la retient. N'y a-t-il rien que l'on puisse faire? Ben nous, non. Quoique Gary pourrait peut-être la cramer. Je sais! Eureka, j'ai trouvé. J'ai une bonne idée, laisse-moi faire. Ok, vas-y, hein, fais-toi plaisir. Par le tourbillon du vent, des ténèbres, de la vie qui déchire toutes ces lières. Bon, ok, ça n'avait aucun sens. Bien joué, Yvan. J'ai réussi! Oui! Je crois qu'on avait vu. Merci pour le coup de main, mais que fais-tu ici, Yvan? Je n'ai pas pu entrer dans l'Umpa. Quelle surprise! Ne vous méprenez pas, je ne suis pas venu pour vous demander votre aide. Je n'ai pas arrêté de penser à votre mission depuis mon départ de Vault. J'ai tout lu dans vos esprits, vous en souvenez? Oui, c'est dur à oublier. Je ne pouvais pas partir avec toutes ces choses qui arrivaient. Je ne peux pas sauver Maître Ahmet, alors je vais vous aider. Je vous en prie, laissez-moi venir avec vous. Et ils vont rejoindre notre groupe cette fois-ci pour de vrai. Essayez-vous d'aller à Bilibin par cette carotte? Moi, je crois que c'est le plan, ouais. Allons-y! Et donc cette fois-ci, il nous rejoint de manière permanente et définitive, et toutes ces bêtises, on peut déplacer ce machin. Donc, là où Vlad et Garé possèdent la même action, qui est déplacée sur le terrain, Yvan possède deux. Il possède Télépartie et possède Tourbillon, qui coûte la blinde! Donc ça va être nul, parce qu'il va falloir l'utiliser régulièrement. On peut retourner à Val, avec Yvan tout de suite, et techniquement... On pourrait y récupérer un objet qui est comme la menthe qu'on a obtenue plus tôt, qui permettra d'augmenter les PV max de l'utilisateur. Et sur le papier, l'utiliser sur Yvan n'est pas le pire. Ah, c'est pas non plus le plus utile. Et refaire tout le trajet alors qu'il faudra qu'on retourne à Val de toute façon plus tard dans le jeu n'est pas nécessairement la meilleure. Déjà, vous pouvez le faire, hein, je veux dire, ça va vous donner de l'XP et toutes ces bêtises. Mais je sais pas si vous avez vraiment envie de le faire. Et vous savez quoi? Comme on est dans une zone où j'ai l'impression qu'on récupère des PP. 23. 25, ouais, parfait. Je vais juste les récupérer rapido parce que j'ai souvenir que cette grotte était plutôt lourde à explorer.
Genre, c'est légitimement un peu difficile. Le début du jeu est un peu... dur, par moment. Mais ouais. Aussi, je pense que je vais donner... Silex à Ivan. Je vais en faire un... Je vais dégager Eo pour juste en faire un sage. La réalité générale, c'est que ça augmente de manière générale toutes ses statistiques un peu. Ça lui fournit... Alors, ça lui fait perdre tourbillon. Donc, bien entendu, ça signifie que si je voulais ouvrir la grotte maintenant, bah, il faudrait que je lui retire, ce qui est le côté lourd. Mais ça lui donne et du Jupiter et du Vénus. Ça lui donne soin mineur en plus. Et comme il a la blinde de PP comparé à Vlad, l'avoir en soigneur sera un tout petit peu mieux. Je dis pas que c'est essentiel ou que c'est à faire, mais là pour le coup, je pense que je vais commencer déjà à jouer un petit peu avec les classes. Parce que normalement, dans mes parties personnages, je ne jouais jamais avec les classes. Enfin, je trafiquais jamais le système de classes. Les personnages commençaient avec leur classe de base et finissaient avec leur classe de base. Et je dis pas que c'est une catastrophe, mais c'est pas nécessairement la meilleure des manières de jouer. Oh, c'est pas la pire, c'est pas la meilleure, c'est pas la catastrophe. Donc on va pas hésiter à utiliser des petites synergies, bien entendu. Balls! Ok, t'es neutre. Tremblement! Ok, donc lui au fond est faible. S'il survit, il survit. Donc ce qu'on va faire, c'est que vous allez attaquer le fantôme... Quoique non, vous allez attaquer le fantôme au centre. Et toi, tu vas déchaîner Silex sur le squelette, voir si on peut pas avoir un Jin Kill. Oui, on l'a eu. Donc là, comme vous avez pu le constater, il a brillé des couleurs de l'arc-en-ciel. Et il va nous donner... Bon. Oh, sérieusement. Plus d'or et d'expérience et plus de chances de lâcher un objet en fin de combat. Vandaman a tenté d'utiliser Handicap. Je sais plus ce que ça fait. Parce que malheureusement, les différences... Synergie, sort et compétence dans ce jeu n'ont pas nécessairement des noms très explicites. Fatalement, il a essayé de baisser nos statistiques. Mais j'ai aucune idée de s'il a essayé de baisser notre attaque, notre défense. Probablement pas notre attaque, plutôt. Quoique, je sais pas, c'est peut-être l'attaque, la défense, j'en sais rien. C'est la défense. Parce que ça aurait pu être notre attaque, ça aurait pu être notre résistance. C'est un peu dur à dire, puisque c'est un peu toujours les mêmes termes, à la fin. Mais bon, et toi, tu vas invoquer Vénus, parce que j'en sais rien, pourquoi pas. Hein. Je vais pas utiliser ça constamment, juste pour préciser. Les invocations, etc. Là, c'est parce que je voulais vraiment essayer d'avoir un Jin Kill, puisque pour montrer à quoi ça ressemble. Et on a une herbe qui est potentiellement ce que lâche normalement l'ennemi, cet ennemi-là avec Y pourcentage de chance, et on a eu du bol. Aïe. Ah bah, il a fait qu'un seul coup et c'était pas extraordinaire. Hein. Bon, bref. Non, vous avez tous pris un peu cher sur les PP. Ici, vous voulez forcément pousser ce machin, il me semble, parce que là, on a un type. Et on a aussi un djinn. Vous avez vu quelque chose de bizarre par là, je l'ai combattu, mais il a fui. Quand je suis revenu, je l'ai vu à nouveau. Je me demande s'il aime cet endroit. Peut-être. Comme vous pouvez le constater, il y a une espèce de creux, juste ici, ce qui fait que quand on va le pousser dedans... Clac, il bougera plus jamais. Ah, des zombies. Mais on n'est pas assez fort pour encore les... Aïe. Tu vas te soigner. Donc ouais, bon, moi j'utilisais pas vraiment le système de classe, ce qui, à nouveau, n'est pas nécessairement une erreur. Mais c'est pas nécessairement la meilleure des décisions. Mais waouh, ils aiment pas Yvan, ceux-là. Donc cette fois-ci, je veux essayer. J'ai plusieurs idées sur comment je vais m'y prendre. Globalement, ça va pas mal tourner sur la logique du... Parfois, on va choper des armes. Genre, par exemple, là, le cimetière de Vlad. Qui ont un élément spécifique. Et je vais parfois m'amuser à faire en sorte que l'objet en question, il soit... Ben, de mettre une classe qui est potentiellement adaptée à l'arme ou ce genre de choses. Mais ouais, techniquement, le cimetière, ça serait bien que je le file à Ivan, parce que comme il est un adepte de Jupiter, il en tirerait beaucoup plus profit au niveau du cri. Et je sais plus si au niveau du statut, 44 d'attaque, 33, 31, donc son attaque reste plutôt médiocre, malheureusement. Mais malgré tout, bon, il aura un tout petit peu plus, parce que là, Vlad triche un peu, parce que son arme est meilleure que celle des deux autres. Puisque, sauf erreur, ton arme, combien déjà?
C'est plus 12. L'épée courte, c'est plus 8. Bon d'accord, c'est que plus 4. Donc j'admets que Vlad est quand même beaucoup plus haut. Et lui, donc, l'a équipé automatiquement, bah, ton chaman, qui a plus 10. Non, techniquement, voilà, il serait... Je regrette à moitié d'avoir vendu l'épée courte de Vlad. J'aurais dû lui laisser pour filer le cimetière à Yvan. Parce que sincèrement, Yvan, avec le cimetière, est plutôt décent au début. Donc c'est probablement à lui que je le filerai quand je remplacerai leurs armes. Sauf si j'ai vraiment des raisons de filer un truc pour plus sympa à Yvan. Ce qui, je crois, est le cas. Donc, ouais. On va rester sur tremblement. On va continuer. Alors oui, toi, t'as eu feu. Par la boule de feu! Et toi, tu as juste attaqué parce que j'ai pas envie. Quoique non, tu es plus... Ils sont faibles, là. Je sais plus à quoi ils sont faibles, mais je crois qu'ils sont faibles au feu, de toute façon. On va avec ces bourgeons, juste pour montrer. Bourgeon est de l'élément Vénus, c'est juste une autre manière d'utiliser l'élément. Et par la boule de feu! Ok, ça fait super mal. Mais ça coûte bien entendu relativement cher pour ce point du jeu. Je sais pas pourquoi des zombies avaient de l'herbe, mais je sais pas si j'ai vraiment envie de m'en servir. Mais ouais, la zone n'est pas si dramatique, mais je me souviens que j'avais quand même un peu de mal. Mais d'un autre côté, je devrais probablement juste utiliser les auto-attaques. J'aurais pas appelé ça des auto-attaques, mais bon. L'habitude. Ou... Peut-être pas l'habitude, mais bon, mais... J'ai un peu trop tendance à utiliser les attaques normales. Et c'est, ça fait que les ennemis vous font super mal, donc vous grillez la blinde de PP pour vous soigner plutôt que d'utiliser quelques PP pour, genre, les tuer. Et à la fin, vous y perdez plus qu'autre chose. Mais bon. Ponk, ponk. Non ! Par contre, j'admets que c'est un peu le problème, je sais jamais s'ils sont faibles à quoi que ce soit. Ok, t'es faible à ça, hein. Aïe. Ils font quand même mal, les bougres. Mais ouais, je pense que ça, j'ai plutôt bon à donner à Yvan plutôt que Eosage. Ça augmente drastiquement ce qu'il peut faire, puisque, ben... En tant qu'Eosage, il peut surtout attaquer avec l'élément Jupiter. Waouh, quel horrible choix. T'as utilisé une attaque de feu sur le mec qui a la meilleure résistance feu du tas. Et ça, je lui donne en plus de Jupiter, même si, entendu, il perd toutes ses capacités à attaquer des groupes. Il est que une cible pour le moment. Mais il peut soigner aussi, et c'est bien mieux. Ah, parce qu'il y a tellement de PP en comparaison des deux autres qu'il vaut mieux que ce soit lui qui gère les soins. Et comme il est le plus rapide du tas, voilà. Donc bref. Je connais pas ce qui est vraiment un ultra bon niveau, mais ouais. Je pourrais pas dire, par exemple, ça c'était un niveau optimal, ça c'était pas un niveau optimal, etc. J'en suis incapable. Mais bon, on va pousser ça. Ça tombe. Donc on pourra redescendre, et là maintenant, bah, je vais trouver ce... Je vais ouvrir ce coffre. Et ça nous donne un porte-bonheur. Oh, waouh, ils ont été généreux, j'étais décalé. Le porte-bonheur. Faut que j'arrête de faire ça, ça sert à rien. Je vais le donner à Yvan, parce qu'il y a un certain nombre d'objets comme ça qu'il faudrait que j'évite de trop garder. Sur notre ami Vlad, parce qu'à force, son inventaire va être plein et ça va les balancer sur Garé, qui a pas nécessairement besoin d'eux. On va répartir un peu les herbes. C'est un peu le seul problème de ce système, c'est que j'aurais été beaucoup plus pratique qu'ils mettent en place un système de sac, qu'est-ce que j'en sais. Je comprends pourquoi ils l'ont pas fait, mais... Bah, je veux dire, pour que ça se fasse un côté un peu unique, mais bon... ça peut être un peu lourd et ça rend certains éléments plus pénibles. Le fait que les équipements que vous avez soient dans votre... C'est quoi on veut utiliser la goutte d'huile? Autrement, je vais la vendre. Donc ouais. Mais le fait que les équipements soient dedans fait que à terme ça vous incite à pas... Ok, c'était puissant. Donc moi ça nous en a débarrassé. Pas sûr. Parce que maintenant on a un autre truc, on a cette cochonnerie. Si vous lui parlez, le type en met en mode quoi ? Et lui il nous attaque. Djinn de mer, c'est pareil, cette cochonnerie est une cochonnerie. Il possède 172 PV, 14 PP, 45 d'attaque, 9 de défense, 22 d'agilité et 6 de chance. Il possède une puissance élémentaire de 125, donc toute attaque élémentaire qu'il utilisera aura 25% de puissance complémentaire et il a que de 100. Niveau résistance élémentaire, 193 en résistance Mars, celui qui prend quasiment que moitié de dégâts sur tout ce qui est Mars. 100 donc neutre sur Vénus et Jupiter et 25 à Mercure, donc il est super faible à Mercure, mais... Bah on n'a pas.
Au niveau de ses attaques, la moitié du temps, il va utiliser Flambé, qui est la même chose que ce que possède Gaara ici. Ah, donc ça possède, donc ça lui va lui coûter 4 PP, ça possède une portée de 3, donc ça signifie qu'il peut toucher 3 gens, comme nous, et ça a une puissance de 15, ce qui est ben, la puissance de Flambé. Chaque synergie possède une puissance fixe. 30% du temps, il pourra utiliser Bombe, qui est une autre synergie de feu, avec une portée de 3, qui lui coûtera 5 PP, et qui possède une puissance de 25. Il pourra aussi utiliser 15% du temps son attaque normale, qui inflige des dégâts élémentaires de Mars. Donc, c'est juste un coup normal, quoi. Et 5% du temps, il pourra fuir. Alors, je dis 5% du temps, mais c'est vraiment... Voilà, moi j'ai souvent l'impression que c'est plus que ça, mais bon. Toi, tu vas attaquer normalement, de toute façon. Toi, tu vas attaquer normalement, de toute façon. Et toi, tu vas utiliser Volt, puisque c'est ton attaque la plus puissante. Il n'est pas super dur à vaincre, mais... Oh, il commence avec ça. Ce qui fait super mal. Ah, c'est pas de bol, mais c'est comme ça. T'attaques, t'attaques, tu vas te soigner. Donc s'il fuit, le combat prend fin. Waouh, arrête d'utiliser ça. Et là, vous voyez, il avait une portée de 3, mais il a mis le coup principal sur Vlad, donc il n'y a que lui et Gaara qui ont pris des coups. Donc c'est pas si mal, mais ça signifie qu'on a pris super cher. Le fait qu'il puisse fuir est lourd, bien entendu, puisque ça signifie que ça réinitialise complètement le combat. Il faut qu'on sorte de la salle et qu'on y re-rentre pour le réaffronter. Et tous les PP qu'on a perdus, ben, ils sont perdus, quoi. Heureusement, il n'a pas énormément de PP. Là, comme il a utilisé bombe deux fois et flambé une fois, ça signifie que ça y est, il a court de PP. Il peut que attaquer normalement. Mais le problème, c'est que ça signifie que les chances de fuite sont beaucoup plus importantes, puisque, ben... Il a plus que deux actions possibles, fuite et attaque. Alors il a beaucoup plus de probabilité d'utiliser l'attaque plutôt que la fuite, mais ça n'empêche que c'est lourd. C'est pour ça que j'essaye de vaincre tout ce que j'ai. Et on l'a vaincu. Et niveau super pour gagner. Donc s'il fuit, ben, prenez l'escalier, revenez, réaffrontez-le, mais bien entendu c'est lourd. Si vous voulez éviter de perdre trop de PP et de vous retrouver dans une mauvaise situation, sauvegardez, réinitialisez s'il fuit. Tu l'as eu ? Waouh, c'est impressionnant. Ouvre l'œil, tu en verras peut-être d'autres. Ouais, c'est l'une des manières principales pour récupérer des djinns, et c'est parfois lourd. Donc, on va te désactiver, toi, puisque... C'est l'heure de parler de classe. Donc si on équipe Forge, et je parlerai de Forge après, sur ce qu'il fait, à Vlad, il va devenir une brute. On a déjà discuté de la brute avec Gaara, donc c'est quasiment la même chose, c'est les mêmes statistiques, enfin les mêmes multiplicateurs de statistiques. Très orienté PV, attaque, agilité, sa défense, sa chance et ses PV et ses PP sont plutôt blés, moyens, mais c'est bourrin, c'est agressif, ça a accès à, ben, normalement à terme à de la synergie de Vénus et de Mars, même si pour Vlad je crois que ça sera plus orienté Vénus que Mars, et c'est de manière générale une très très bonne classe, très très sympathique à avoir, et c'est probablement celle que je vais te donner à Vlad. Si on l'équipe à notre ami Ivan, il va devenir Pèlerin. Pèlerin est une plutôt bonne classe, il me semble. C'est plutôt sympathique pour lui. Ça lui donne du... Ça lui donne des plutôt bonnes statistiques, de manière générale. Il perd un peu en agilité, mais il gagne pas mal en chance, en défense et en attaque, ce qui est quand même pas moche. Et il est... Bon, après, ça peut venir du djinn aussi, j'avoue, mais bon. Il aura surtout des synergies offensives et un petit peu pour du support. Et je crois du soin, potentiellement, j'ai un doute. Mais le problème, c'est qu'il... Non, pas vraiment du soin, mais le problème, c'est qu'il est surtout bon quand vous commencez à avoir un certain nombre de djinns. Genre, au moins 4, parce que ça va débloquer certaines synergies qui sont vraiment bonnes, et en attendant, c'est juste de bonnes stats et rien d'autre. Il va se retrouver, il va perdre rayon, tourbillon, parce que bon, bah, c'est rien. Et il va avoir en taille ce qui est, une synergie qui est devant. Elle est décente, il me semble que c'est... C'est plutôt costaud, ça a 4 de puissance et c'est une seule cible. Mais le problème, c'est que c'est pas nécessairement le mieux maintenant. Donc, on va les réintervertir. Toi, on va te remettre en sage et on va continuer comme ça. Pareil, pas si mal. Ivan, tu vas probablement nous soigner un coup aussi. Ça bouffe les PP, mais bon, y remonterons. Enfin, donc, notre ami Forge.
Celui-ci nous donne 10 PV, 2 d'attaque, 2 d'agilité et 2 de chance, ce qui est beaucoup en termes de statistiques. Voilà, c'est quand même pas mal. Son effet utilisé en combat est qu'il augmente l'attaque du groupe de 25% pour 6 tours. Ou 6 actions, c'est pas trop sûr en fait. Donc par exemple, hop, hop. Et je sais pas, toi tu vas utiliser feu, t'as pas pu utiliser tes PP du tout pendant le précédent combat, donc tu t'en fiches. Et tu vas attaquer ça. Donc augmenter l'attaque va juste améliorer, donc de 25% ici, tout notre groupe. On peut aller jusqu'à 50% au maximum. Donc par exemple, si je réutilise Sojin dans les 6 prochains tours, ça va réinitialiser le compteur et augmenter la puissance du buff. Mais bien entendu, après ça, on peut pas monter plus haut. On peut réinitialiser le temps qu'on a à avoir un bonus d'attaque, mais c'est tout. Les Jin, en général, fileront des meilleurs bonus de statistiques ou de efficacité générale que des les synergies. Comprendre qu'une synergie existe pour augmenter notre attaque. Mais la synergie en question va augmenter de... La synergie en question va augmenter de 12,5% notre attaque au lieu de 25%. Donc les djinns tendent à être légèrement supérieurs aux synergies à ce niveau-là. C'est un bon djinn, il reste relativement utile long terme, puisque c'est un bonus fixe qui est toujours utile. Il faut se rappeler cependant que ça n'améliore que notre attaque, pas nos synergies. Parce que les synergies c'est basé sur la puissance élémentaire, donc... Peu importe l'attaque qu'on peut se booster, ça va rien changer. Mais tiens, on est déjà à la fin. Ben, il me semble. Ah, je me souvenais que j'avais vraiment du mal dans cette zone d'habitude. Ah, bref, on s'en fiche. On se casse. Mais ouais. Donc, Forge est un bon djinn. C'est le genre qui vaut le coup d'utiliser de temps en temps. Silex, en comparaison, je trouve qu'il peut être un peu agaçant, puisqu'il fait du dégât et c'est tout. Donc, à part pour invoquer après, c'est plus limité. Forge, ça augmente vos statistiques, ça peut aider si vous comptez utiliser pas mal d'attaques normales. Au début, un peu plus limité, les synergies sont un peu meilleures, même si bien entendu les PP peuvent ne pas être d'accord. Mais à terme, ouais. Mais avec ça, je pense que je vais m'arrêter là. On a fait toute la caverne de Goma. Il me semble que ça peut s'appeler la caverne de Goma. Oui. Et on est devant la prochaine ville. Donc, c'est vraiment pas dégueu. Donc je pense que je vais m'arrêter là et que je vous retrouverai la prochaine fois pour qu'on aille explorer cette ville, ce qui signifie comme d'habitude de 1. Récupérer les objets, 2. Parler à tout le monde, 3. Faire les boutiques, 4. Probablement sauver le monde. Pas nécessairement dans cet ordre. Donc d'ici là, ciao.